Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous, et tous ceux qui veulent comprendre ce qui nous attend et surtout avoir des outils pour penser à travers le chemin qu'est la vie. Merci à tous ceux qui sont très attentifs et qui m'ont envoyé un petit message pour me prévenir que ma dernière publication sur le pouvoir magnétique des croyances avait un petit problème de grinchement de son au début. Donc, je vais refaire l'intro, puis je vais vous la remettre euh, la suite. Comme ça, il y aura moins de désagréments, ce sera plus agréable. Donc, merci à tous ceux qui m'ont envoyé le petit message pour me prévenir de ça. Petit problème technique, des fois avec euh, le studio OBS, il faut euh, redémarrer l'ordinateur souvent. Des fois, je l'apparaisse ou je n'ai pas le temps de le faire parce que je suis quand même assez occupé. Juste pour vous donner une idée, trois enfants, une Italienne sur le dos, 40 heures de travail comme serveur une trentaine au moins d'heures comme YouTuber. Il me reste pas grand-temps pour redémarrer l'ordinateur, <laughs> souvent. Plus, maintenant, une nouvelle passion, au moins une vingtaine d'heures, une vingtaine d'heures, une vingtaine d'heures, pardon, de yoga. Donc, c'est extraordinaire comme ça me tient occupé, mais... Et en plus, je ne suis pas rendu narcissique au point où je m'écoute. Quand je fais une vidéo, je la prends, puis je la publie tout de suite. La plupart du temps, il n'y a aucun problème, mais là, il y en a eu un... Puis merci à vous. Donc, l'intro que je faisais, c'était pour nous dire, vous dire que on est tous, tous, tous dans le même bateau de la vie. On a tous, et c'est pour ça qu'il faut respecter chaque être humain. Même quand on... C'est incroyable, on connaît personne dans le fond. Hein? Il y a 8 milliards d'individus, on les connaît pas. Mais on sait, on sait une chose, on est tous identiques. On a tous les mêmes préoccupations, on a tous les mêmes problèmes, on a tous les mêmes joies, les mêmes peines. On fera face aux mêmes... Même chemin chaotique qu'est la vie, et c'est ce qui fait que la vie est particulière sur Terre, c'est un passage obligé. On nous a amené là, qui nous a amené là? La magie du mystère. On est ici, on sait que ça a un, un temps déterminé, et après ça, il y a une autre étape. Que tu sois croyant ou non, c'est ça que tu vas vivre. Que tu sois athée, ou que tu as une croyance X ou Y, Z, tu auras à être ici. Si tu es là, tu es là. Et si tu es là, mon chum ou ma fille, ben, tu as le même chemin que tout le monde a traversé pour arriver à la dernière station que tout le monde va vivre. On va vivre la mort. Ça, c'est ex exceptionnel comme, comme contradiction, hein, vivre la mort, mais on va vivre la mort. Et tu as tous les outils nécessaires pour faire en sorte que tu arrives à cette fin-là, l'âme en paix. Si tu t'es préoccupé de ça, que tu sois croyant ou non, tu n'es pas obligé d'être croyant. Tu es seulement obligé d'être convaincu qu'il y a quelque chose d'autre après et qu'il faut que tu te prépares pour ça parce qu'ici, c'est juste un passage bien, bien court. Ce qui vient après, c'est pas mal plus long. Et on est tous confrontés à ça. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun, aucun pouvoir de changement. La politique, tant qu'on est dans un système comme celui-là où les gens qui nous gouvernent ont ce genre de personnalité, le changement ne viendra pas d'eux. Donc de mettre notre dévolu dans des politiciens, c'est une perte de temps. De penser qu'on peut changer le système économique, c'est une autre perte de temps. D'argumenter sur ceci et cela, c'est une autre perte de temps. Le climat, les changements climatiques, les avaries de la vie, on ne peut pas les contrôler, ils arrivent, ils nous tombent dessus. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est comment on va se remettre debout, comment on va faire face à ça, comment on va naviguer pour arriver tous ensemble, si on le peut, à notre destination ultime. Parce qu'un jour viendra peut-être où on s'unira parce qu'on est tous, peu importe la couleur de la peau, peu importe l'orientation sexuelle, peu importe l'orientation religieuse, on est tous avec le même sang, les mêmes organes, le même cœur qui bat à l'intérieur de cette même enveloppe. Et qu'on devrait avoir une unité dans le bonheur, dans la générosité, dans la bonté, dans le partage, dans la tolérance. Mais ce n'est pas ça qu'on voit. Nos politiciens sont là pour nous diviser. Les, le système est là pour nous diviser. Nos familles, nos parents ont, vit, ont été éduqués dans le même, même concept. Donc, ils nous ont trans, transmis leur connaissances et ça fait un peu un lien avec le sujet dont, euh, dont je vais vous parler après. Hein, la, le, le pouvoir magnétique des croyances. Et on ne connaît pas mieux. On ne peut pas s'unir dans ces qualités dont je vous ai, que je viens de vous énumérer. La seule chose qui pourra nous unir dans tout ça, qui transcendra toutes ces différences, c'est que si jamais on avait un cataclysme qui vient frapper la Terre et qui ce soit majeur, je peux te dire une chose, ceux qui vont rester, les autres, ils vont changer. C'est face à l'adversité, face à la grande misère que... Tu prends conscience que, oh, tout à coup, que t'aimerais donc ça, que les gens soient tolérants, généreux, donnants, compréhensifs. Hein? C'est quand tu es dans la plus grande misère ou quand tu rencontres une grosse, grosse épreuve que là, tu te dis, mon Dieu, que ce serait donc extraordinaire, toutes ces belles qualités-là. Mais ça n'arrivera pas à l'unisson. Ça ne viendra pas simultanément, sauf s'il y a un grand cataclysme parce que la nature humaine est en ce est. et comme on n'enseigne pas dès le début parce que ce serait exactement ce qui arriverait si on prenait les enfants du début et on partait une nouvelle génération et on leur mettait ces valeurs-là dans le cœur. C'est certain qu'on aurait un monde différent dans 50, 60 ans, 70 ans quand tous les autres auraient disparu et qu'il y aurait juste cette génération-là qui continue à perpétuer, à perpétuer toutes ces belles valeurs qu'on a déjà peut-être eues dans des civilisations anciennes. Mais on, en, on est loin de ça, et on est loin de là, juste à regarder autour de vous, juste à regarder à l'école, quels sont les programmes d'enseignement pour les enfants. Il n'y a rien, rien, qui est là pour le salut de l'homme. Rien du tout. Maintenant, on le sait qu'il y a une force extraordinaire en nous et que cette force-là, c'est notre cœur qui l'a et que si on voulait, on pourrait, mais que de le faire simultanément, c'est une, une utopie, ça n'arrivera pas. Sauf s'il y avait une décision qui vient d'en haut, des hauts dirigeants qui disent, comme dans d'autres époques lointaines, on doit avoir un monde de bonté. Mais on n'est pas rendu là. Donc, je vous laisse. Ça, c'était l'intro, grosso modo, que vous avez raté à cause du grinchement. Puis là, on va aller écouter le reste ensemble de, cette, de ce résumé que j'ai fait d'une publication de Greg Braden, que j'aime beaucoup, sur le pouvoir magnétique des croyances. À plus tard. Donc, la force de nos croyances est une force tellement puissante qu'il a aucune autre force sur Terre qui arrive même à se comparer à cette force de nos croyances. Est-ce que, est que vous croyez que vous avez une force en vous, avec vos croyances, qui fait qu'il n'y a aucune autre force sur Terre qui pourrait venir même se comparer à la force que vous avez en vous Est-ce que c'est possible est-ce que vous croyez cela? Pas ce qu'on pense dans notre tête, mais ce qu'on croit dans nos cœurs. Et ça, c'est vraiment une différence vraiment importante, ce qu'on a dans le cœur et non dans la tête, les croyances qu'on a dans la tête. Le père de la, euh, de la science quantique, Mark euh, Max Planck nous a dit qu'il y a un champ d'énergie qui retient tout, tout ensemble. Et que ce n'est pas solide et que nous ne sommes pas solides. Les croyances sont... Euh, le, les codes qui prennent ce champ d'énergie, possibilité, et traduisent tout ce champ dans notre réalité, la réalité de notre monde. À chaque fois qu'on pense qu'on a trouvé la plus petite particule, L il regarde et il y a quelque chose d'autre qui est là quelque chose d'autre est là la raison pour laquelle on trouvera probablement jamais la plus petite particule et la raison pour laquelle on trouvera jamais la fin de l'univers et c'est probablement parce, Expliquer parce que John Wheeler a déjà dit il a dit le geste que nous posons de chercher et le geste du cœur humain, de, de l'esprit humain de chercher quelque chose dans. En, dans l'attente de toujours trouver quelque chose, va toujours créer quelque chose d'autre. Va toujours créer quelque chose qu'on pourra voir. Juste l'intention, la volonté de vouloir trouver, de chercher, va créer quelque chose de nouveau à chaque fois. Donc, le geste de chercher dans l'attente que quelque chose d'autre est là, va toujours amener quelque chose d'autre à se créer. C'est un geste de création en lui-même. Pensez à ça. Je vous invite à penser à tout ça. La conscience, cons la conscience ou notre conscience crée l'univers. Si la, les émotions et les croyances créent l'univers, ce qu'on croit par rapport à notre monde, donc les nouvelles découvertes qui nous démontrent qu'on a le pouvoir de changer notre corps, de changer notre monde, est basé sur ce qu'on appelle les croyances. Notre, nos croyances de ce qui est vrai. On vit nos vies basées sur nos croyances. Nos croyances par rapport à notre monde. Est-ce que vous croyez en ça? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? On vit nos vies selon... Nos croyances par rapport à nous-mêmes, le monde, un envers l'autre, nos limites, nos capacités. Il dit, j'ai été entraîné comme scientifique quand j'ai commencé à comprendre qu'on vivait nos vies par rapport à nos croyances. Ma question... Et la suivante, d'où viennent ces croyances Et ce que j'ai découvert, c'est que nos croyances proviennent de ce que les autres nous disent. Nos croyances proviennent de ce que nous raconte l'histoire. La science nous dit. Ce que les religions nous disent, ce que notre culture nous dit, notre famille, nos familles, nos amis, c'est de là que, que proviennent nos croyances. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, je vous pose la question, et si toutes ces croyances étaient fausses, et si elles étaient fausses, ces croyances? Et imaginez-vous si on vit tous nos vies selon des croyances qui nous proviennent de gens et que toutes ces croyances-là sont incorrectes. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? À comment pensez-vous, à quel niveau pensez-vous? Que les croyances sont, puiss sont tellement euh, puissantes. Vraiment. Il y a un auteur dont le nom est Neville, au début du 20e siècle. Il a écrit un livre, la pouvoir de la, Le pouvoir de la conscience. Et ce que Neville a dit, c'est la chose suivante. Le pouvoir de nos croyances est un pouvoir infini contre lequel aucune force terrestre n'est capable de compétitionner. Donc c'est important les croyances, c'est important le pouvoir des croyances. Et imaginez si ces croyances-là sont fausses, parce qu'elles ont été basées sur la religion. Hein? Ce que la religion nous a dit, les cultures nous ont dit. Les scientifiques nous ont dit, l'histoire nous a dit, nos, nos, la famille dans laquelle on a grandi. Donc le pouvoir individuel de nos croyances, c'est probablement la plus grande force de la vie. Donc imaginez-vous, le pouvoir de nos croyances est la plus grande force. Et il n'y a aucune autre force sur Terre qui peut se comparer à cette force-là qui est en nous, de nos croyances. Est-ce que vous croyez que vous avez un pouvoir en vous contre lequel aucune force terrestre n'est capable de rivaliser? Est-ce que c'est possible, vous pensez? Vous croyez cela? Les croyances. Les croyances sont le code qui euh, transcende les possibilités dans les réalités de ce monde. Voici ce que les scientifiques nous disent par rapport à comment fonctionne notre monde. Les scientifiques nous disent maintenant que dans ce champ, toutes les possibilités existent déjà. Dans l'énergie quantum, la soupe des possibilités dans cette énergie euh, quantique. Toutes les possibilités existent déjà. Dans, ces, dans toutes ces possibilités-là, vous êtes déjà guéri. La paix est déjà arrivée. La joie est déjà partout. Toutes les plus grandes souffrances, toutes les plus grandes joies, la plus grande paix existe déjà dans les possibilités quantiques. Avec notre conscience, on atteint toutes ces possibilités. Avec. On imagine notre guérison. On imagine la paix. On imagine nos relations parfaites. On, a, on imagine l'abondance dans nos vies, dans nos esprits. Et avec notre cœur, avec nos, nos cœurs, on donne à toutes ces possibilités la vie. On respire la vie dans l'image dans de nos esprits, par, à, à travers les émotions de nos cœurs. Et on le rend vrai et possible dans la vie et la réalité. Il faut comprendre ce qu'une croyance est. Qu'est-ce qu'une croyance? Les croyances, c'est l'union. C'est l'union de la pensée et des émotions. C'est ce qu'est exactement une croyance. C'est formidable. Je vous demande de penser à ça. Pensée et émotion. Donc, l'atome quantique est fait de vagues d'énergie plutôt que de particules de choses. Et c'est vraiment important ce qu'il va raconter. Si vous voulez changer un atome, il faut changer l'énergie dans laquelle l'atome vit. Si vous voulez changer la matière de notre monde, il faut changer l'énergie dans laquelle la matière vit ou existe dedans. Einstein a raconté ça très 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 bien. Einstein a dit le champ. Connecte tout ensemble, c'est ce qu'il a appelé l'agence gouvernementale des particules. Il dit, Einstein a dit le champ, c'est ce qui détermine comment l'atome va réagir. C'est dans le champ. Donc le champ dont on parle est fait d'énergie électrique. C'est fait d'énergie magnétique. Deux énergies. Le champ qui retient tout ensemble est fait de deux énergies, électrique et magnétique. Ça, ça. Nous, maintenant, on va aller voir un texte traditionnel. Écoutez ce qu'il dit. Si vous changez le champ électrique, vous allez changer la façon dont l'atome se comporte. Il y a un nom pour ça. Ça s'appelle le Stark effect. L'effet Stark. Si vous changez le champ électrique, vous, le Stark effect, l'effet Stark, vous change, changez le comportement de l'atome. Si vous changez le champ magnétique, s'appelle l'effet Zeeman, le Zeeman effect. Vous changez aussi l'atome. Donc, tout ce que ça nous dit, ça, la science nous dit, et, sait, et la science sait aujourd'hui, si vous changez le champ électrique ou le, et le champ magnétique, ou le champ magnétique, vous changez l'atome. Et c'est vraiment important, tout ça, de comprendre ça. Mais c'est certain que c'est pas facile de faire comprendre ça à des gens qui ne s'intéressent pas à ça. Et quel organe dans votre corps? On en a déjà parlé ici, ça aussi, Greg Braden Braddon en parle beaucoup, parce que c'est scientifiquement prouvé. L'organe dans votre corps qui produit le plus puissant champ électrique. Dans votre corps, il y, a, il y a un organe dans votre corps qui est puissant et qui, est, qui dégage le plus grand champ électrique et, et magnétique. Et on, donc, on, cet organe-là produit le plus grand champ électrique et le plus puissant champ magnétique aussi, ce même organe. votre cœur et c'est là où on a les émotions ces ces émotions qui créent ces émotions qui créent des vagues d'énergie magnétique et électrique et c'est avec ça qu'on peut changer le monde et nos vies Avec, un, avec un simple, une simple émotion, on peut changer la vie. Donc, le champ électrique du cœur est 100 fois plus puissant que celui du cerveau. 100 fois plus puissant le champ électrique du cœur que celui du cerveau. Il s'est prouvé avec euh, l'encéphalogramme. Le champ magnétique du cœur est 5000 fois, 5000 fois plus fort que le, le champ magnétique du cerveau. Et ça, on l'a vérifié aussi avec les euh, cardiogrammes. Les croyances. Les croyances changent le champ magnétique, les croyances peuvent changer le champ électrique, éventuellement les croyances peuvent changer la matière, l'atome, mais on a mis de l'ADN en présence du cœur humain qui a un champ magnétique et électrique d'à peu près 3, 4, 5 mètres, et cet ADN a été transformé dans. Quand il était euh, en présence d'émotions négatives, se contractait, se resserrait, et quand il était en présence, l'ADN humain de d'émotions positives se détendait et voulait même se reproduire donc comprenez très très bien la force qu'on a en nous et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui et je pense qu'il n'y avait personne d'autre aussi bien que greg braden qui l'explique le, qui si souvent et je sais que beaucoup d'entre vous euh, l'apprécient beaucoup et c'était un peu le condensé de une des euh, Publication qu'il avait faite qui s'appelait, euh, à l'époque, qui s'appelle toujours la vidéo The Magnetic Power of Belief. La force magnétique des croyances. Vraiment fantastique, phénoménal. J'espère que ça vous a plu. Puis je vous reviens aujourd'hui avec plein d'autres choses. C'est sûr que la journée fait juste commencer. Pour l'instant, je m'en vais où Je m'en vais au yoga. <laughs> On se revoit après.